bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, Eldarize mange de la bouse, tout simplement parce qu'on est prêt pour l'agriculture. Miam, 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 miam. Nous voilà dans la serre, de nuit, donc vous voyez que c'est plutôt safe, hein. On a tellement torché qu'on est bueno. Et on est parti sur tout ce qui est plantation. Plantation alimentaire, mais aussi, j'ai envie de dire, forestière. Décorative. Décorative, tout simplement. Donc Côté c'est parti. posé. Sachant qu'on commence peut-être par la bouffe, comme ça pousse pendant qu'on décore. Alors on peut faire une petite. Hop, moi je proposais pour le blé. Comme le blé, ça a besoin d'être irrigué. Faire une petite cascade. Ah oui. Directement dans mon Ah, il panier. faudrait qu'on mette de la glowstone derrière ce Est-ce que tu truc-là. aurais une pioche? Non. Je peux en faire une si tu veux. Cours. Cours, vol. C'est marrant parce qu'au début de cet épisode, on se disait, ouais, on est totalement préparé, on a tout ce qu'il nous faut, et on n'a pas de pioche. Ah là là. Erreur Duc. de débutant quoi. J'en profite pour prendre des pelles parce que j'en ai pas, non. Voilà. Voilà. Une pierre. Une pioche en Guimet. pierre. Guimet, guimet. Hop, alors. Et si, il faudrait de la glowstone, ça serait parfait. Mais vu qu'on n'a pas encore ouvert le portail du Nether. Ça s'explique d'ailleurs pourquoi on n'a pas ouvert le portail du Nether. Tout simplement parce que on enregistre. Enfin, hier, on enregistrait le 12 et le 11 mars. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait peut-être attendre de générer le Nether le 13 mars, justement. Parce qu'il y a un gros update, c'est la mise à jour 1.5, qui ajoute les blocs de quartz au Nether. Et donc on voulait pas prendre le risque de générer le Nether sans le quartz. Parce que voilà, c'est un bloc qui a l'air joli et dont on pourrait peut-être Ce serait dommage se de pas servir. profiter des nouveautés à quelques jours près. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu attendu. Et je pense que ça va être bon dans les épisodes prochains. Alors, est-ce que ça devrait pas? Ça serait pas mal que ça tombe juste là. Oui, c'est ce que je voulais Et faire. qu'il n'y ait pas de renfoncement en fait. Yay. Pas mal. Donc il nous faut une houe. Enfin, tu as la houe en fait. C'est toi qui l'as prise. Ah, il y a des araignées. Une araignée au-dessus. Je vais lui faire la fête. Ah ouais, quand même, hein. Téméraire, hein. Elle est où? Voilà, donc c'est bon, j'ai mis de l'eau, une source d'eau infinie ici, donc on aura plus besoin d'aller en chercher. Bon, on va pouvoir déjà commencer à mettre du blé. Oui, monsieur. Oui, Oui, monseigneur. messire. Encore du travail? Bien, très bien. Allez, je me casse les jambes. Ok. Plus de blé. Plus de blé. Sachant que tu peux. Je crois que c'est 4 autour de. Jusqu'à 4 autour de la source d'eau. On va essayer de faire un truc pas trop rectangulaire, un truc un peu. Ouais, un truc un peu classe. Ouais, pour tout ce qui est esthétique, en fait, je te fais confiance parce que. Moi, je suis très fonctionnel dans mon approche de Minecraft. Not so bad, no? C'est pas mal. Attends, c'est pas tout à fait symétrique ton histoire. Ça doit pas l'être, justement. Ah, ok. Pas de touche. Fais ce que tu veux. Pas d'asymétrie. Très bien, très bien, très bien. Donc Ok. là, on a quelques petits champs de blé. Champ de blé, patate carotte maintenant. Attends, on va planter 2-3 arbres quand même entre-temps pour séparer. D'accord. Quel sapin, quel truc tu veux?
Je sais pas, moi, Blé, ça me fait toujours penser à Arbutus, chêne boulot, chêne, en fait. jungle. Moi, je trouve que Blé, ça me fait toujours penser à du chêne, donc ça resterait, c'est un petit peu raccord, je trouve. Poudre d'os. Bon, à la rigueur, on peut le laisser pousser. Non. Non. Ah, cela ne fonctionne pas. C'est Ah, bon. ah, super. Oh, Il est magnifique. beau en plus celui-là. Magnifique. Très beau. Très très beau. Très très beau. Alors, ensuite, je pensais à... Alors, normalement, l'entrée par laquelle on arrive, c'est C'est celle-là, je vais celle-là, ouais. vérifier. C'est bien celle-là, je viens juste de venir par Et là. du coup, je vais mettre en face plutôt les carottes et tout. Ouais. Parce que vu que c'est les choses les plus rentables au niveau de la bouffe, autant que ça soit très accessible. Bon, un petit peu Oh, plus pas petit mal. bras celui-là quand même, hein. Ouais, mais sympa, au moins ça prend pas non plus toute la place. Ouais, c'est vrai. Déjà assez gros comme ça. Alors, donc carottes et pommes de terre, non, on n'a pas besoin d'eau humidifiée, enfin Normalement, irriguée. je suis assez surpris, mais je te crois sur parole. Enfin, je crois le wiki sur parole plutôt. Donc Wiki Eldarise. non, ça me plaît pas ça. Ouais, toi t'as une pelle. Riche, je sais pas. Attends, je t'en donne une. Peut-être un truc plus randonnion pour le coup. Ouais. Yes, no. Oui. Ça fait bah tout à fait champ de patates quoi. Mais il va pas ils vont pas se recouvrir ces trucs sans eau? T'en veux combien? Bah un certain nombre quand même qu'on puisse faire des récoltes assez conséquentes. Mais ça fait combien? 1, 2, 3, Ouais, ça me 4, paraît correct 5, là. 6, 7. Allez, carotte. Ouais. Tu vois, regarde, ça se recouvre, hein. Oui, mais parce que c'est pas planté. D'accord. On pourra mettre de l'eau si tu veux après, mais bon. Bah, la rigueur, ça coûte rien, mais. Ouais, mais pour l'esthétique. Certes. Bon, après, je trouve que l'eau, c'est toujours très beau. Très beau. C'est très beau. Eh ben, sinon on peut faire une sorte de petite rivière avec à partir de notre cascade. Oh oui. Oh oui! Oh oui, mais il est fou. Oh oui. La petite rivière. Oh, Moi, cool. comment je fais rien? Mais Laisse non, mais tu tomber. filmes, c'est important. Certes, mais je ne sers à rien. Caméraman. Caméraman de l'extrême. Oh oui. Hop, des sources d'eau. Je me dis que du coup c'est pas très accessible cette partie du champ de blé Pas mon problème. là. Bon, on pourra toujours défoncer l'arbre. Ah Sympa. merde! Ah non. Dans la C'est pas salle des bien. coffres. C'est pas bien ce que tu nous fais là. Je suis tombé du coup. Fail. Good job. Well done. Limite, tu pourrais te passer les sauts et comme ça, au fur et à mesure, tu... Ouais. Après, je sais pas, on fait style, on traverse le champ ou on fait style, elle réapparaît derrière. Elle réapparaît derrière. Ouais, elle reparaît derrière. Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. Merde. Quelle grossièreté. Oh, oui. Toutes mes confuses. C'est peut-être un peu gros deux par deux là, la rivière.
Ouais, oh, bonne rivière de... Pas une rivière de là. Pour le coup, avec notre forteresse naine. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait. Dans le genre symétrique, on est pas mal là. Mais bon. C'est toi qui disais pas de symétrie. Bah ouais, mais bon. Tant pis. C'est toi l'architecte, hein? Cet arbre là. Ouais. J'espère qu'il va pas trop gêner. Oh, qu'as-tu fait? Je voulais enlever la torche, on sait jamais. Non, c'est pas la torche qui coince. C'est peut-être les pousses en fait, à côté. Fail. T'inquiète pas, qu'il va pousser le bâtard. Ah non. Peut-être pas assez de lumière. Bon, on verra. Toujours trouver ça obscur, les... C'est étrange. Mon pomme de terre. Après, on peut lui rajouter un truc de... Un truc d'espace. Mais c'est pas si symétrique que ça, hein. Ça aurait pu être plus symétrique encore. C'est sûr. Après, moi je remplirais bien un petit peu le lit de la rivière parce que je trouve que c'est un Vas-y, peu. remplis. De quoi? Qu'est-ce que tu veux que je remplisse? Ah, avec de l'eau. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, je voulais que ça avance un petit peu l'herbe. Ouais. Dans ce cas-là, on va plus faire un truc. Comme ça. Que ça avance et du coup que ça soit moins symétrique. Voilà, et comme ça là. Je vais boucher au bout aussi. Boucher au bout. Quel bout? Là, ici, ici, ici. Ah. Pas mal comme ça, non? Ouais. Du coup, ça fait un petit peu, un tout petit peu plus naturel, un tout petit peu. Décidément. Est-ce que ce serait pas le ver au-dessus qui... Possible, peut-être qu'il considère qu'il a pas cette place Ouais, je pour pense que c'est grimper. ça. Parce que les pins, ça monte très haut. Arf. Ah bah j'ai mis par terre moi. Bon, attends, je vais en foutre un peu partout d'ailleurs des hautes herbes. Ça pousse bien, ça pousse bien. Ah là, c'est pas fleuri quand même. Bon, cette arme, il me le refuse là. Personne ne me refuse. Allez, vas-y. Après, il est peut-être trop proche du truc. Jamais Dommage. content, hein. Ah, Ah, ah. ouais. Super. Alors, il nous reste à faire. Super. On a fait blé, pommes de terre, carottes. Il nous reste melon, citrouille, cacao. Et on sera bon. Oui, je pense que ça ira. Donc là, on peut faire un côté forêt un peu. Ouais. Toujours avec la rivière qui serpente. Ah, c'est vrai que c'est assez grand ça. Qu'est-ce qu'il y a assez grand?
Les pins comme ça. Ah. Good, un deuxième. J'ai bien envie de dédoubler la rivière. Ouais, tu peux la faire passer de part et d'autre. Après, là, on va mettre un peu de la jungle. Oh, mais ça va jamais pousser, c'est peut-être un peu trop petit. Ah, mais je refais pas le dôme, hein. Tu fais ce que tu veux, mais... Ah, voilà. J'ai réussi à en faire un de la jungle. Enfin, en disant ça, je donne l'impression que c'est moi qui l'ai fait. C'est faux. Hein. J'ai pas fait, j'ai juste été le larbin. Hein. Bon, on l'a fait, quoi, deux. Ah. Ah. Ça, c'est touffu, ça. Ouais. Tu vois là les espèces de petites de petits fruits qu'il y a sur ces arbres, je sais pas ce que non, c'est. Non mais en fait c'est parce que ça c'est des ça donne des noix de enfin des noix du cacao. D'accord. Mais c'est sur le tronc, ça paraît pas là-dessus. Oui. Regarde, cacao, si je le pose. Faut pas le poser, comment on pose? Bah normalement c'est clic droit sur le tronc. Et c'est vraiment de l'acajou ça? Jungle sapling. Bah oui pourtant. Regarde, c'est avec ces pousses là. Hop. Ouais, mais ça c'est bien des pousses d'acajou. Hein. Voilà, si... on se débrouillera pour faire du cacao, on verra si on fait. Bah, en fait, le truc le plus simple mais assez moche, c'est que tu coupes de l'acajou et tu le poses par terre en fait, sur ouais, deux mais... de hauteur et Bah, ou tu dans le mets la coin, blinde on verra. de fèves de cacao par-dessus quoi. On verra bien. Hop, je vais verdir un peu le sol. Voilà. Comme monter. Pas compris la blague, je suis sûr. J'ai pas fait gaffe. Il y avait... Non, mais en fait, c'est mieux. Je t'ai pas écouté. En fait, c'est mieux. Bon, si vous voulez écouter la blague pourrie d'Eldarise, je vous invite à faire un petit flashback. Non, mais non, vous sentez pas obligé. Un petit peu de cactus. Du cactus. Donc là, je pense là, il y aura pas de rivière parce que ça va être un peu aride. Oui, en effet. Un peu aride. Et mets du sable, hein, du coup. Y aura. On en est déjà à 18 minutes d'épisode. Ça marche. Bon, on termine le sable, melon, ouais. Et puis après melon on sera petite rouille, et puis on sera, puis on vous quittera. Exact. Je les mets pas optimisés les cactus, hein. Non non, bah non. C'est pas le principe. Hein. Je vais venir voir ce que tu fais quand même. D'ailleurs, c'est du sable en rame. Oui, j'en ai 64 sur moi. J'arrive. Tiens. Il y a rien d'autre qui pousse dans le désert, je crois. À part les, tu sais, les arbustes morts là, les pousses mortes. Oui, mais ça c'est même ouais. Pas récupéré. C'est les... Mais c'est tu peux pas génération. Les récupérer, mais c'est en fait ça pousse et ça devient des cactus ces trucs là. Ouais, c'est la génération de map, on peut pas les, les cultiver ni les en produire avec du sable comme ça. Est-ce que j'arrête la rivière là ou je la continue? Bah, peut-être pour melon citrouille, puis on la fera ouais. Terminer dans le mur vers ici. Ok. Ou si on peut faire casse. Non, pas casserait de l'autre côté. Non. 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 C'est un non catégorique. Bon, niveau cactus, on n'est pas trop mauvais là. Oui, de toute façon, cactus, il n'y en a pas besoin de des masses. Hein. Ouais, c'est toujours plaisir un peu de colorant. Mais ça fait toujours joli. Nom d'un cactus. Non, d'une pipe en bois. Voilà. T'as fini là?
Maintenant, il manque les citrouilles et les machines. Et les steaks pas. Et les roseaux. Et voilà les roseaux, on peut mettre sur le sable. Oui. Il faut de l'eau. Ou alors. Oui, mais non, j'en mets pas. Tout le long de la rivière. Ouais. Tout le long de enfin, la rivière. Peut-être pas tout le long, mais. Ah, partout. Partout. Partout, partout. Je vais en foutre partout. Ça va être dégueulasse. Ok. Donc il manque nos pastèques et citrouilles qu'il faudrait faire. Là, on est à 21 minutes d'épisode. Ça marche. Ou alors on se quitte là et au début de l'épisode 11, on montrera la fin de la serre terminée. Bien comme vous voulez, chef. Hein. Ouais, on va faire ça, de toute façon. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais bon, j'ai pas trop envie de tout le temps manger sur la limite. Donc on se donne rendez-vous dans l'épisode 11. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire que vous adorez les talents décoratifs d'Elda. Et, vous les détestez, hein. Oui, vous avez le droit aussi. Et puis voilà, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Tout ça, voilà. Allez, salut à tous. À bientôt dans l'épisode 11. Salut.